Alors, je disais à M. Mastropietro, membre du PQ depuis 87, le pire, c'est que c'est vrai. Alors, je disais, ça ne me rajeunissait pas, mais c'est un long parcours politique, effectivement. Et ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. D'abord, je voudrais saluer les gens de la table d'honneur, M. Mastropietro, Mme Lacoste, directrice générale de l'AQTR, tous les membres de la table d'honneur qui sont ici, vous vous reconnaissez. Merci beaucoup d'être ici. Mesdames et messieurs dans la salle, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui en grand nombre. Vous savez, c'est moi qui ai sollicité ce rendez-vous aujourd'hui avec l'AQTR. Et je suis très heureux que vous ayez accepté mon offre. J'ai souhaité vous parler de la future Agence des infrastructures de transport du Québec, car je sais que pour votre association, la recherche constante de l'expertise, la formation continue, le partage de connaissances, c'est au cœur de vos actions à l'AQTR. Alors, je me suis dit, tiens, nous partageons les mêmes valeurs, parce que c'est exactement pour ces mêmes valeurs que j'ai choisi d'aller de l'avant avec la volonté de créer une agence des transports. Depuis septembre 2012, comme ministre des Transports, mais aussi comme ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, je veux changer les choses depuis que j'ai été nommé ministre. Certains ont dit que j'aime assez brasser la cage dans les deux ministères que j'ai l'occasion, que j'ai l'honneur d'occuper. Humblement, je pense que ça marche pas mal. Parce que pour moi, le statu quo n'est pas acceptable. Vous le savez, notre gouvernement a agi promptement, et ce, dès notre entrée en fonction, pour rétablir la confiance des Québécois afin qu'ils paient le juste coût pour nos infrastructures publiques. Je vais juste vous rappeler quelques éléments. Nous avons adopté la loi 1 sur l'intégrité en matière de contrats publics. Mon collègue au Trésor a aussi présenté un plan québécois des infrastructures sur 10 ans, pour plus de prévisibilité, mais aussi pour faire des choix plus judicieux dans le respect de la capacité de payer des Québécois. Je dois vous dire que, comme ministre des Transports, je m'inscris exactement dans cette même logique. Intégrité dans l'octroi des contrats publics, meilleure prévisibilité dans la planification, dans la réalisation des travaux d'infrastructure, et ce, partout sur le territoire. Je veux juste vous rappeler quelques événements, quelques changements déjà qu'on a amenés à l'intérieur de l'appareil du ministère des Transports. Février 2013, j'ai confié un mandat à la firme Secor KPMG pour faire la lumière sur les dépassements de coûts, ce que certains appellent les fameux extras, dans les contrats de construction et les services professionnels du ministère. Un mois après, en mars 2013, j'ai annoncé une programmation routière sur 2 ans. Pour les gens qui connaissent moins ça, ça a l'air assez technique. Mais c'est un geste important qui nous permet une meilleure prévisibilité, une meilleure planification, autant pour le ministère que pour les entrepreneurs. D'ailleurs, je suis très heureux de constater qu'à l'automne 2013, on a annoncé la programmation sur 2 ans en mars, mais déjà à l'automne 2013, nous avons enregistré une hausse de 13 % des appels d'offres par rapport à la même période l'année précédente pour des travaux à venir. C'est un des signes, ce n'est pas le seul, mais c'est un des signes que la programmation sur 2 ans donne des résultats, que la programmation sur 2 ans fonctionne. Un autre geste, en novembre 2013, j'ai présenté un plan d'action qu'on a appelé « Payer le juste coût pour nos infrastructures routières », qui comprend 16 mesures, et ça, c'est en réponse aux conclusions du rapport Secor-KPMG sur les dépassements de coûts. En gros, les 16 mesures, c'est pour améliorer chacune des étapes de la gestion des contrats du ministère, de la planification à la réalisation des projets routiers. Donc, l'ensemble de ces actions menées depuis 1 an et demi ont permis de faire des économies qu'on estime, en gros, de plus de 240 millions.
C'est pas rien. On veut aller encore plus loin. Mais déjà, ces économies-là, on sait qu'on va pouvoir les réinjecter partout au Québec pour planifier, réaliser encore plus de projets routiers. Donc, depuis un an et demi, après avoir posé ces gestes importants, des gestes significatifs dans l'organisation, pour ramener la confiance, susciter le nécessaire changement de culture, puis je vais revenir sur ce mot-là, cette expression-là, changement de culture. Ce changement de culture que nous souhaitons tous et toutes, on a encore un défi à relever ensemble. Je sais que vous êtes au courant. L'État doit regagner une expertise forte en matière d'ingénierie, afin d'assurer la pérennité de nos infrastructures et bâtir le Québec de demain. Pour y arriver, pour se donner les moyens de nos ambitions, pour renforcer encore plus cette expertise, il faut faire un pas de plus. Et ce pas de plus, cette étape supplémentaire, nous l'avons fait le 4 décembre dernier, quand j'ai déposé le projet de loi 68 visant à créer l'Agence des infrastructures de transport du Québec. Je vous le dis, cette agence se veut la pierre d'angle. Je sais qu'il y a des ingénieurs dans la salle, vous connaissez bien la pierre angulaire. Alors, cette agence, c'est la pierre angulaire de l'ensemble de notre stratégie, de ce changement de culture qu'on veut faire. Premièrement, l'agence va s'inspirer des meilleures pratiques en matière de construction et de gestion des infrastructures routières dans le monde. Par exemple, on s'est inspiré d'autres agences en Nouvelle-Zélande, en Suède, en Grande-Bretagne, en Australie, plus près de chez nous, au Vermont. Ça ne veut pas dire qu'on a fait du copier-coller. On est allé chercher le meilleur de ces exemples-là à travers le monde pour s'en inspirer, pour s'en servir comme référence dans notre projet à nous. L'agence vise 4 objectifs. Contrôle plus efficace des coûts, les coûts des projets. Renforcer l'expertise de l'État québécois, je viens de vous en parler. Troisièmement, éloigner l'influence politique de la réalisation des travaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Et quatrièmement, la décentralisation. L'Agence des transports se verra confier les mandats de gestion et de maintien des infrastructures routières, ainsi que la réalisation des projets routiers, et ce, comme je le dis souvent, de l'appel d'offres à la coupure du ruban. Par sa mission, l'Agence va se concentrer uniquement sur la planification et la réalisation des projets routiers et d'infrastructures. Ce rôle spécifique va permettre à cette nouvelle entité de développer une compétence supérieure, une connaissance fine dans la gestion des infrastructures. Vous savez, je pense que c'est très important de le dire. Le ministère des Transports va continuer d'exister. Ce n'est pas une transformation complète du ministère. On n'abolit pas le ministère pour le transformer complètement en agence. Mais le ministère des Transports va faire ce pour quoi il est créé, ce pour quoi on va aux élections pour voter. Il va pouvoir se concentrer sur la détermination des grandes orientations en matière de transport de personnes, de transport de marchandises, de transport collectif, d'intermodalité. Le ministre des Transports va faire son job de ministre. Il va doter le Québec d'une vision durable, d'une vision intégrée des transports. Ça, c'est le rôle politique. C'est le rôle du ministre. Et l'agence, bien, elle sera une entité indépendante qui se consacrera à la réalisation des travaux, à l'entretien et au maintien des actifs. Elle sera dirigée par un conseil d'administration composé de 9 à 13 membres. Le PDG, les vice-présidents, les membres du CA seront nommés sur la base de profils de compétences très stricts, validés par le CA. Et ça, pour nous, c'est une garantie importante. Profil de compétences strictes. Le CA sera diversifié, puisque formé de 2/3 de membres indépendants, de représentants de l'Ordre des ingénieurs et de l'Ordre des comptables professionnels agréés. Puis là, je veux vous dire une chose à ce sujet. Je veux qu'on se comprenne très bien. Je ne suis pas de ceux qui mettent tout le monde dans le même panier. J'ai confiance
en votre expertise professionnelle, en votre expérience, en votre bagage. Les conseils d'administration, on ne se le cachera pas, ont eu une mauvaise presse dans les derniers mois. Toutefois, je suis de ceux qui croient que les institutions sont plus fortes. Il faut croire aux institutions publiques. Il faut croire à l'imputabilité, à la transparence, à l'efficacité. Il peut y arriver des conjonctures, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter pour autant toutes les institutions. Donc, l'agence sera imputable auprès du ministre des Transports. Elle sera imputable auprès du gouvernement. Elle sera imputable auprès de l'Assemblée nationale, notamment par le dépôt de son plan stratégique, de son rapport annuel de gestion. Le vérificateur général, une institution importante au Québec, aura quant à lui la charge de vérifier les comptes de l'agence au moins une fois l'an et à chaque fois que le gouvernement va le juger approprié. Je vous ai parlé de décentralisation. Je vous dis que l'agence se représente dans toutes les régions du Québec. Je suis convaincu, et le gouvernement est convaincu, que le fait d'assurer une présence régionale et une présence locale des représentants de l'administration publique permet de maintenir plus adéquatement les actifs et de mieux surveiller le déroulement des travaux routiers. Depuis un an et demi, je me suis promené beaucoup à travers le Québec. Je suis allé voir les directions territoriales du ministère, je suis allé inaugurer des travaux, etc. Une chose est claire, il n'y a personne de mieux placé que les employés du ministère, les employés de l'administration publique dans chacune des régions pour connaître la réalité sur le terrain. C'est les mieux placés pour faire les estimés des projets sur le terrain, faire la surveillance des chantiers. Il n'y a personne de mieux placé que ceux qui sont sur le terrain. Alors, l'agence va viser à renforcer cela dans toutes les régions du Québec. C'est dans ce sens-là que c'est de la décentralisation. Parce que le premier critère de la décentralisation, c'est un geste de confiance. Alors là, c'est un geste de confiance aux gens sur le terrain, dans les régions, parce que c'est là que ça se passe. Puis c'est l'agence qui va nous permettre de faire ça. Pourquoi va nous permettre de le faire? Entre autres, puis encore là, ça peut vous paraître administratif, mais c'est tellement important. L'agence ne sera pas soumise à la loi sur la fonction publique. C'est pas rien. Mais ça va permettre plus de souplesse pour l'embauche, plus de souplesse pour la rémunération et plus de souplesse pour le classement des employés. Tous ces facteurs mis ensemble vont donc permettre à l'agence de concurrencer les conditions de travail du secteur privé et créer un effet positif sur notre capacité d'attirer des employés, mais aussi notre capacité de les maintenir en emploi à l'intérieur de l'administration publique. Notre défi de l'expertise, il passe par là. Alors, c'est très important, cet élément. Et vous savez, l'expertise ne se bâtit pas uniquement avec les ingénieurs. Je pense, évidemment, aux techniciens en travaux publics. Je pense aux ouvriers. J'en rencontre souvent, qui sont tout aussi primordiaux. Une chance qu'on les a eus, les techniciens et les ouvriers, dans l'événement malheureux d'il y a quelques semaines avec le délaminage, avec le morceau de béton sur l'autoroute 40. Les ouvriers, les techniciens en travaux publics ont été importants. On travaille donc également au renforcement de cette expertise. Et l'agence, par la nature des défis qu'elle devra relever, sera un moyen supplémentaire d'attirer de nouvelles ressources. Présentement, le ministère des Transports compte autour de 6500 employés. C'est une grosse organisation. Et nos estimés nous disent qu'autour de 90 % d'entre eux seront transférés à l'agence. C'est donc une opération qui n'est pas banale, on va s'entendre là-dessus. C'est d'ailleurs pour cette raison que le projet de loi 68 prévoit la mise sur pied d'un comité de transition pour assurer une transition harmonieuse entre le ministère et la future agence. Maintenant, on va parler un peu de politique. Dans le fond, je suis là, c'est mon métier. Bien, comme ministre des Transports, j'ai décidé qu'il était terminé le temps où l'on misait sur l'enthousiasme et sur les bouts de route pour gagner des élections. Vous savez, ce syndrome du Kodak, surtout quand la période électorale approche. Mais le problème pour l'administration publique, et je l'ai constaté dès que je suis arrivé, c'est qu'il y a des projets après qui se retrouvent sous-financés, ou même pas financés du tout, retirés du budget
retiré du PQI. Pourtant, il y a eu la belle annonce avec les affiches, avec les députés, etc. Donc, l'objectif de la création de l'agence est justement de développer une connaissance fine, une expertise unique, une expertise très forte en infrastructures routières pour faire en sorte que la planification des infrastructures réponde à des besoins réels plutôt qu'à des visées électoralistes. Vous savez, c'est à mode de parler de politique autrement. Bien, il faut qu'on passe à l'action. L'agence en est une preuve. Il y aura un aller-retour entre l'agence et le ministre lors de la détermination de la programmation routière. Autrement dit, grâce à sa connaissance fine, à son expertise, l'agence va recommander des projets en développement au ministre. Et il appartiendra au ministre de faire des choix sur cette base de recommandations. La création de l'agence est un geste très fort en matière d'intégrité, mais c'est aussi un geste de confiance envers l'administration publique. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est important de le rappeler. Ce n'est pas se retirer de la fonction publique, au contraire, c'est la renforcer en se donnant plus de moyens. C'est un geste de confiance envers l'administration publique. L'agence incarne une vision audacieuse et contemporaine de ce que doivent être la gestion des transports au 21e siècle. Pour ça, je trouve important d'en parler d'abord et avant tout à vous de la QTR, tellement que vous êtes sur la formation, sur le partage de l'expertise. Et moi, je suis convaincu que l'Agence des transports, c'est la voie vers laquelle il faut aller au 21e siècle dans la gestion de cet enjeu très stratégique et délicat que sont les transports. En se dotant d'une stratégie claire, en prenant l'engagement formel de dévoiler les résultats atteints et les résultats à atteindre également, le gouvernement démontre tout le sérieux de sa démarche. C'est là un gage de notre détermination à assurer une gestion vigilante, rigoureuse, transparente, efficace des investissements publics dans les projets routiers. Et j'en ai parlé tout à l'heure aux gens de la QTR, du conseil d'administration. Je compte sur vous, je compte sur la QTR, pour venir donner votre point de vue en commission parlementaire, éventuellement sur le projet de loi 68, parce que votre éclairage sur ce que vous connaissez du milieu, sur vos pratiques, bien, votre éclairage sera nécessaire pour bonifier le projet de loi 68, pour faire une agence des transports encore meilleure. Là-dessus, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée à tous et à toutes.